Bonjour à tous, je suis Paul Maître, expert en innovation et e-santé, et très heureux d'animer cette session de décryptage pour la NAP, intitulée « Un jumeau numérique pour mon hôpital ». Jumeau numérique ou digital twins, est-ce un buzzword? Est-ce que c'est un concept qui préfigure le monde de demain en dystopique, en utopique ou en réaliste? Si c'est un sujet aussi important et transformateur, n'est-il pas dangereux de le laisser aux seules mains des techniciens et informaticiens? Et ne faut-il pas d'ores et déjà en parler avec les décideurs? Et les décideurs et directeurs d'hôpitaux n'ont-ils pas dès maintenant des choses à aller regarder sur ce champ? Ça tombe bien, l'ANAP propose avec ce format de webconférence d'initier le débat, d'ouvrir la question, d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour en savoir un peu plus sur ce jumeau numérique et pourquoi pas se donner un coup d'avance pour l'aborder dans sa pratique de direction hospitalière. Pour ce faire, cette webconférence est organisée autour de trois temps, de trois séquences. La première qui s'intitule « Ce n'est plus de la science-fiction ». Alors le suspense est un peu tué, mais nous allons, à l'occasion de cette séquence, présenter une définition du jumeau numérique et voir qu'en effet, ce n'est pas de la science-fiction, vu que certains secteurs l'utilisent d'ores et déjà. Et nous y reviendrons, avec notamment le cas de la supply chain d'une part et de la gestion des logements d'autre part. Une deuxième séquence qui s'intitule « Un outil de conception et de pilotage de demain ». Il s'agira là de prendre le cas du bâtiment, et l'hôpital est aussi un bâtiment, et donc de s'intéresser à des pratiques d'ingénierie et de construction qui utilisent le jumeau numérique pour la conception et l'exploitation des bâtiments. Et puis enfin, une troisième séquence intitulée « Comment lancer un projet de jumeau numérique ?», là qui s'attardera sur un cas pionnier, celui du CHU de Saint-Étienne, et qui nous permettra de réfléchir à si je veux utiliser cette notion de jumeau numérique à l'activité hospitalière, est-ce que je peux l'utiliser pour améliorer, tester des choses sur mon fonctionnement hospitalier? Ce sera l'objet de cette toute dernière séquence. Enfin, nous conclurons aussi avec Tim Brinen de la NAP. Mais avant d'ouvrir les débats, je suis très heureux d'accueillir sur le plateau Stéphane Pardoux, qui va pouvoir nous expliquer finalement cette démarche de la NAP, d'aller vers de nouveaux sujets pour les décrypter pour ses adhérents, pour aller chercher des informations venant d'autres secteurs. Stéphane Pardoux, finalement, c'est quoi cette nouvelle démarche et cette nouvelle approche de la NAP? Bonjour Paul, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être inscrits et à nous suivre aujourd'hui pour, comme l'a dit Paul, ce nouveau format de webconférence de l'Agence nationale d'appui à la performance. Alors, la NAP, juste un mot, vous nous connaissez, mais vous nous connaissez sur d'autres formats, celui de la production d'outils, de guides, de bonnes pratiques, de recommandations autour de la performance sanitaire et médico-sociale. Et puis, vous nous connaissez pour nos interventions sur le terrain, parfois quand les choses vont mal, mais aussi quand les choses vont bien, pour en retirer des bonnes pratiques pour l'ensemble du pays. Mais la NAP, aujourd'hui, pour répondre à votre question, Paul, elle s'est aussi fixée comme objectif de vous aider à réfléchir la performance de demain. Celle avec peut-être des outils d'aujourd'hui qui ne sont pas encore complètement utilisés, mais qui est la performance de demain. Et pour ce faire, il nous a semblé important de commencer à regarder devant, un peu plus loin, et puis de regarder ailleurs, c'est-à-dire vers d'autres secteurs qui ne sont finalement pas si éloignés que ceux-là du monde sanitaire, qui peuvent être ceux du facility management, de l'industrie, de l'aéronautique, qui sont en tout cas des mondes de très grande technologie, comme l'est le monde sanitaire. Et donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette webconférence d'un format nouveau. Alors, je vais vous faire une confidence, une confession. Moi, je ne crois pas savoir de quoi on parle aujourd'hui. Et justement, c'est cette incompréhension, cette perplexité qui m'a incité à proposer ce format pour tous ceux qui s'intéressent à la NAP. Parce que lorsque j'entends, c'est le peu que j'en sais, qu'avec le jumeau numérique, on parle de conception de bâtiments, au moment où les pouvoirs publics ont décidé un plan massif d'investissement hospitalier, quand j'entends qu'on parle de maintenance, alors que ce sujet de la maintenance hospitalière est un important problème dans le cadre de la décarbonation, de la maîtrise des consommations énergétiques, lorsque j'entends modélisation des flux par le jumeau numérique, et lorsqu'on sait qu'un des sujets hospitaliers, c'est la gestion des flux, sans savoir véritablement de quoi on parle, ni de quelle technologie on parle, ni de quel degré de maturité du marché, j'ai l'impression que l'on parle de quelque chose qui demain sera utile aux dirigeants hospitaliers. Et donc c'est la raison qui nous a amené à la NAP à proposer ce nouveau format. Et donc je voudrais vous remercier, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui viennent de secteurs divers, qui n'ont pas l'habitude d'intervenir dans des webconfanables, je les remercie sincèrement. Je voudrais remercier tout spécialement le CHU de Saint-Étienne, parce qu'il y a quand même un établissement hospitalier qui est présent aujourd'hui. Je voudrais les remercier pour jouer leur rôle de précurseur. Et puis je voudrais vous dire que
La suite de cette webconférence, bah, c'est vous qui nous la donnerez un petit peu. Vous nous direz de quoi vous avez besoin sur cette thématique-là. Et puis, j'aimerais que vous nous disiez également de quels autres sujets, sur quels autres sujets vous aimeriez que la NAP se penche pour explorer ainsi ce que pourrait être la performance de demain. Merci beaucoup, Stéphane Pardoux. Merci à vous. Jumeaux numériques, ce n'est plus de la science-fiction, c'est le titre de notre première séquence et pour laquelle je vais faire intervenir trois personnalités. Sandra Berthezen, professeure et titulaire de la chaire de gestion de services de santé du CNAM, qui apportera son éclairage de chercheur qui s'intéresse à ce sujet du jumeau numérique en santé. Nous échangerons avec Adam Cablan de Capgemini, qui pourra nous évoquer un cas concret de jumeaux numériques dans le secteur de la logistique et de la supply chain. Et puis, nous entendrons aussi le témoignage de Christophe Lheureux, qui l'évoquera dans un tout autre secteur, celui du logement, des logements sociaux en particulier. Du coup, tout de suite, je vous propose de démarrer cette séquence avec Sandra Berthezen. Bonjour Sandra Berthezen, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes professeure au CNAM, titulaire de la chaire gestion et de services en santé. Vous pilotez une équipe pédagogique nationale santé et solidarité et vous vous intéressez au sujet du jumeau numérique. Si je dis que le jumeau numérique, finalement, ça consiste à modéliser, faire une maquette de l'hôpital en l'occurrence, d'aller y mettre tout un tas de données que je peux trouver, de données vivantes sur l'activité, et puis une fois que j'ai rendu ma maquette plus dynamique, pouvoir travailler avec pour simuler, tester et changer des choses. Est-ce que finalement, je suis loin du sujet? Je vous donne la parole tout de suite. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier la NAP pour son invitation à cette webconférence sur ce sujet à la fois très actuel, mais aussi très prospectif, hein, comme cela vient d'être souligné par Stéphane Pardoux. Alors, et pour répondre à votre question, Paul Maître, bah, vous avez globalement raison. En réalité, si on s'en tient à la définition qui a été donnée en 2002 pour la première fois par Michael Greaves, un jumeau numérique, c'est un double virtuel d'un système réalisé à partir de l'inventaire réel, hein, des éléments physiques qu'il constitue. Alors, pendant un cours qu'il donne à l'époque à l'Université de Michigan, il illustre son propos par un schéma qui montre le double virtuel du processus de production d'une voiture à partir des composants mobilisés à chacune des étapes. Donc, un jumeau numérique n'est pas un outil statique, bien au contraire, hein, il est extrêmement dynamique puisqu'il évolue en fonction des données collectées, à la fois en continu par des capteurs et à échéance régulière par des systèmes d'information. Et je vais vous donner un exemple. Le jumeau numérique est utilisé depuis déjà quelques temps pour assurer la maintenance des éoliennes. On va suivre l'évolution de l'usure des pales en fonction de la vitesse de rotation du moteur, en fonction de la pression qui va être exercée par le vent. Et on mesure grâce à des capteurs, mais aussi grâce au système d'information, les données. Et quand il le faut, eh bien, les travaux de maintenance sont enclenchés. Cet exemple vaut en réalité pour l'ensemble des secteurs de l'activité économique, y compris celui qui nous intéresse ici, hein, le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Alors, vous vous en rendez bien compte, le fait d'avoir des doubles numériques permet une prise de décision pertinente et éclairée, instantanée, pour gérer des risques là, tout de suite, à l'instant T, et éviter que les problèmes se transforment en catastrophes. Mais vous voyez bien aussi que le jumeau numérique, c'est aussi anticiper. Hein, c'est aussi un outil qui peut être extrêmement stratégique. Hein, c'est ce qui est montré avec l'exemple de l'éolienne. Hein, on va pouvoir anticiper avant que les dysfonctionnements n'apparaissent. Donc, c'est aussi ce qui rend le jumeau numérique extrêmement intéressant parce que dans une certaine mesure, eh bien, il est prédictif. Très bien. Alors, on le voit, le jumeau numérique, finalement, ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà des choses réelles et vous en exposez. On sait que dans l'ingénierie, ça devient, j'allais dire, un concept phare et des grandes sociétés d'ingénierie en font l'outil de l'ingénieur de demain. L'industrie, on parle d'industrie 4.0, mise sur cet aspect pour votre cas d'éolienne, le décrit très bien.
Les militaires et l'armée utilisent des jumeaux numériques pour travailler. Peut-être revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la santé. Qu'est-ce que vous voyez comme application? Vous pouvez déjà nous donner un premier aperçu de quelles peuvent être les applications de ce concept et de cette approche pour la santé. Oui. Dans le secteur de la santé, on voit des jumeaux numériques d'organes, de médicaments et encore de processus de soins. Hein, par exemple, le jumeau numérique d'un anévrisme de l'aorte permet de fabriquer des endoprothèses spécifiques à chaque patient et permet au chirurgien de préparer son intervention grâce à des simulations de complications, hein, par exemple, qui pourraient survenir après l'opération. On peut aussi trouver des jumeaux numériques de pied. Hein, on va pouvoir numériser un pied. On va faire le double virtuel du pied d'un patient pour tester l'efficacité de différentes prothèses virtuelles. Et lorsque le résultat souhaité est obtenu, eh bien, la prothèse personnalisée est fabriquée pour assurer au patient la meilleure récupération possible et la plus rapide récupération possible. Et pour un médicament, finalement, la technique est tout à fait identique. Hein. Schématiquement, on crée la version numérique de la partie du corps du patient qui sera impactée par le médicament et on va réaliser cette version, on va tester sur cette version numérique, eh bien, la version numérique du médicament virtuel. Hein. Si vous voulez, on aura les deux qui vont interagir. Et vous voyez bien les apports d'une telle technologie. Pour les industriels, eh bien, de nouveaux débouchés commerciaux, c'est par exemple le cas des prothèses sur mesure, ou encore des économies de ressources. On le voit avec l'exemple du médicament. Hein. Vous imaginez bien que les tests in silico, si je puis m'exprimer ainsi, sont moins longs à organiser que les tests in vivo. Et pour les patients, naturellement, on voit tout de suite l'apport à une médecine personnalisée qui améliore toujours plus la qualité des soins délivrés. Alors, on peut parler aussi des professionnels parce qu'il y a véritablement un atout aussi pour les professionnels. Hein. Cela permet une véritable montée en compétences, une valeur ajoutée dans les pratiques professionnelles, bien sûr, à condition de reconsidérer les métiers, de les envisager différemment et de miser aussi sur la formation. Il existe aussi des jumeaux numériques de processus de soins. Alors, des services de soins intensifs aux États-Unis, hein, ça a été testé pour prendre des décisions rapides quant à l'affectation des personnels, mais aussi des matériels en fonction de l'arrivée ou du transfert hein, de patients, mais aussi en fonction de leur état de santé, bien sûr. On trouve aussi un exemple de jumeaux numériques dans les services de radiologie d'un groupe d'hôpitaux privés, me semble-t-il, en Irlande, pour améliorer l'organisation du travail et la planification des examens. On est dans une situation où on a une montée en charge des services, un afflux de plus en plus important de patients. Donc, les professionnels ont besoin de réduire les temps d'attente des patients et donc améliorer le taux d'utilisation des IRM, des scanners, etc. Et la modélisation va permettre cela. Des services de santé aussi publics au Royaume-Uni pour réaliser une meilleure performance, y compris en période de crise sanitaire, avec une meilleure redistribution des ressources à l'intérieur des régions. Et ensuite, dans l'ensemble du pays. Hein, donc, on aura ensuite M. Larose et M. Augusto qui vous parleront de leur travail au sein du CHU de Saint-Étienne, aussi donc en France, sur des services de santé. Bref, tous ces exemples montrent que la modélisation porte sur une partie de services ou de processus, jamais sur l'ensemble, a fortiori jamais sur l'ensemble d'un hôpital. Hein, pour l'instant, les jumeaux numériques portent sur des systèmes certes complexes, mais peu ouverts, hein, et qui comporte un nombre raisonnable hein, d'éléments et assez peu hétérogène. Merci. Donc cette échelle modeste, c'est finalement la meilleure pour que le jumeau numérique soit pour les décideurs, quels qu'ils soient, un véritable outil d'aide à la décision à très court terme, mais aussi à moyen long terme. Très bien. Merci beaucoup, Sandra, pour cet éclairage et déjà un point de vue sur ce qu'on peut faire en santé. Nous y reviendrons en effet dans la troisième séquence avec le CHU de Saint-Étienne. Mais je vous propose maintenant de passer à un autre témoignage et on va aller voir vers un autre secteur pour constater qu'en effet, on n'est plus dans la science-fiction et qu'il y a déjà des applications réelles. Je vous propose tout de suite de regarder un interview que nous avons réalisé il y a quelques jours avec Christophe Lheureux qui va parler d'un cas d'usage de jumeaux numériques dans le cadre de la gestion immobilière et plus particulièrement la gestion de logements sociaux. Je vous propose tout de suite qu'on regarde cette vidéo et on revient en plateau après. Christophe Lheureux, bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes directeur délégué à l'innovation chez Immobilière 3F et spécialiste du BIM. Et c'est à ce titre-là qu'on est très heureux de vous recevoir.
Immobilière 3F, c'est un bailleur social, donc un métier qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir autour de la table aujourd'hui, mais il nous semblait intéressant, parce que bailleur social, il y a de la construction de bâtiments, de logements, et puis un grand métier avant tout de soit propriétaire, de loueur, à beaucoup de locataires en mode HLM, et c'est le métier de 3F. Il se trouve que vous avez décidé depuis 2015 de vous lancer dans cette logique de jumeaux numériques, BIM, maquette numérique pour le bien de vos locataires et la gestion de vos bâtiments. Aussi, c'est ce qui nous intéressait d'adresser avec vous aujourd'hui. Avant de revenir sur le projet, peut-être démarrer par finalement, c'est quoi les usages ou les enjeux pour une société comme la vôtre pour se lancer sur ce sujet du jumeau numérique, comme on l'a appelé dans notre webinaire depuis tout à l'heure. Merci Paul, merci de votre invitation. En deux mots, pour être rapide, pour présenter 3F. Donc 3F, c'est un groupe qui fait 300 000 logements. On est présent sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. On appartient à Action Logement, autrefois ce qu'on appelait le 1% patronal. Et donc nous sommes bailleurs social, l'un des plus gros, sinon le plus gros. Et à ce titre-là, on a deux métiers principaux, deux missions. D'abord, celle de propriétaire, hein, puisqu'on est propriétaire foncier, propriétaire de bâtiments, 300 000 logements. 10 000 bâtiments. Et donc, à ce titre-là, ben, on essaye d'avoir une gestion en bon père de famille de ce patrimoine immobilier que nous possédons et donc de bien utiliser les euros que nous utilisons dans nos travaux de rénovation, dans les activités d'exploitation ou de maintenance. Ça, c'est une première de nos missions. L'autre mission, c'est qu'on est, on va dire, quelque part prestataire de services. Hein. 300 000 logements, ça représente 800 000, 1 million de personnes logées dans nos logements. Et c'est ce million de personnes qui vivent dans les logements 3F, ben, ont besoin d'un ascenseur qui fonctionne, d'eau chaude le soir quand ils veulent prendre une douche ou de chauffage l'hiver. Donc on est aussi prestataire de services avec des obligations en termes de qualité de service à rendre à nos clients, propriétaires et prestataires. D'accord, très clair. Par rapport à ces enjeux, du coup, aller chercher des solutions du côté du jumeau numérique, ça veut dire quoi? Et quand je parle de solutions, qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors, le concept même de jumeau numérique, je ne vais pas dire qu'on ne l'aime pas, mais on est un petit peu frileux par rapport à ça. On se dit, est-ce que ce n'est pas un truc que les éditeurs de logiciels essayent de nous vendre? Bon, et on manipule ça avec beaucoup de précautions. On n'a pas aujourd'hui deux solutions de jumeaux numériques, mais on s'y rapproche ou on tend vers ça. Et on imagine plutôt que le jumeau numérique sera finalement l'assemblage de plusieurs briques logicielles. Et je pense en particulier à deux briques logicielles qu'on a déployées très récemment. La brique Abila, les données froides, la description de notre patrimoine, nos bâtiments, nos ouvrages, nos équipements, nos chaudières, etc., etc. Et puis les données chaudes, avec la solution Inten, développée avec la start-up éponyme. Les données chaudes, ce sont les données liées aux interventions techniques de nos prestataires, les chauffagistes, les ascensoristes. Alors, quand ils interviennent dans nos logements, dans nos parties communes, bah, ces données-là remontent dans la solution Inten. Abila, description, données statiques, données froides, le patrimoine, intent, données chaudes, données dynamiques. Les deux ensemble fournissent finalement ce modèle numérique de nos actifs. Et à ce propos, on réfléchit à ce que pourrait être une couche d'hypervision qui agrégerait ces données chaudes, ces données froides et qui fournirait une vision à 360 finalement de notre patrimoine et de ce qui se passe dans notre patrimoine. D'accord. Je l'ai dit en début de session, les idées et le projet a démarré en 2015. On est en 2021. Justement, sur cet aspect projet, peut-être donner en quelques mots, avec votre retour d'expérience, quels sont les points clés pour réussir, pour se lancer. Et je pense à nos auditeurs directeurs d'hôpitaux qui se diraient, tiens, ça m'intéresse d'aller dans cette voie-là. Alors, si on regarde le projet Abila, par exemple, vous avez raison de dire, on l'a démarré en 2015, on l'a déployé en 2021, ça fait 7 ans, c'est long, mais c'est compliqué, hein, puisqu'il faut rétro-modéliser tout ce patrimoine existant.
C'est un budget important, Abila, c'est plus de 8 millions d'euros pour un organisme HLM dans les temps qui courent, c'est un investissement lourd. Alors 8 millions d'euros, si on ramène ça au nombre de mètres carrés, on est à 1,30 € du mètre carré, ce qui est déjà tout à fait raisonnable, beaucoup plus raisonnable que d'afficher 8 millions d'euros. Donc qui dit investissement de cette nature dit nécessairement une direction générale qui initie le projet et qui le soutient ensuite. Ça a été le cas chez 3F, hein. Le projet Abila, tout comme le projet Inten d'ailleurs, qui a démarré à peu près dans le même calendrier, c'est d'abord une vision de la direction générale qui se dit « le numérique, c'est le sens de l'histoire et aujourd'hui, un propriétaire de bâtiment, un offreur de services ne peut pas faire sans si on veut gérer intelligemment les choses. » Donc une direction générale impliquée, engagée, qui soutient le projet sur la durée, et donc aussi une équipe projet pour piloter tout ça, l'équipe que j'ai le plaisir d'animer au quotidien depuis maintenant 2014. C'est aussi, et on voit que ça va toucher des questions de conduite du changement, c'est aussi beaucoup de métiers concernés finalement. Chez 3F, que ce soit la solution Abila ou la solution Intent, c'est 1500-1600 utilisateurs, les gardiens d'immeubles, les ingénieurs techniques, les opérateurs en charge de l'exploitation. Donc c'est des projets imminemment transversaux. Et puis, ça, c'est une chose nouvelle qu'on a découverte avec ces nouveaux projets, un peu différents de ce qu'on faisait en matière d'informatique il y a 10 ou 20 ans. Ce sont des projets qu'on a déployés alors même qu'ils n'étaient pas complètement aboutis. C'est-à-dire qu'on a osé déployer des choses tout en se disant « attendons les retours des utilisateurs et puis on ajustera, on développera de nouvelles fonctionnalités, on les corrigera ». Donc, ce qui nécessite aussi en interne de s'organiser pour rester en contact avec les métiers utilisateurs. D'accord. Merci Christophe. Donc, on a noté de l'investissement, force sponsorship et puis une conduite du changement important et puis finalement des projets qui évoluent encore au fur et à mesure. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Paul. Retour en plateau et je suis ravi d'accueillir Anan Cablan. Anan Cablan, bonjour. Vous êtes directeur chez Capgemini, spécialiste de la supply chain. Alors, supply chain, on pense approvisionnement, flux, délai à respecter. Je suppose du coup que dans un contexte et dans des sujets tels que cela, le jumeau numérique a toute sa place. Oui, tout à fait. Déjà, merci à l'ANAP pour l'invitation. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de jumeaux numériques, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a peut-être quelques notions à reposer. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de cas d'application de jumeaux numériques qui ont été réalisés et on peut distinguer en fait trois natures de jumeaux numériques. La première nature, c'est plutôt un jumeau numérique autour qui va permettre en fait de modéliser un produit. Donc derrière produit, on peut penser à un avion. Ouais. Pour en fait anticiper et mieux concevoir ce produit-là. On a des jumeaux numériques plutôt d'installation. Donc derrière installation, on l'a évoqué juste avant, on peut penser à des immeubles, mais aussi à des plateformes pétrolières ou à des centrales nucléaires. Et là, la finalité du jumeau numérique, c'est de favoriser en fait la meilleure utilisabilité en fait de cette installation. Et aujourd'hui, en fait, la nouvelle frontière, c'est ce qu'on peut appeler les jumeaux numériques de réseau ou supply chain twin. Et ici, en fait, ce qu'on veut venir modéliser, c'est un nœud, enfin différents nœuds, pardon, sur un réseau et justement leur interaction dans toute la dynamique des flux, justement, et on le verra peut-être un peu plus tard, anticiper en fait comment, dans un cas donné, ces différentes variables en fait peuvent modifier en fait la performance, délai, coût, qualité d'un réseau donné. Alors justement, est-ce que par rapport à ce que vous venez d'exposer, vous avez un retour d'expérience concret pour illustrer et expliquer à nos auditeurs ce que ça donne ? Effectivement, si on veut illustrer un peu le propos, on peut penser à un cas qu'on a fait, donc où on a accompagné, où Capgemini a accompagné un acteur de la logistique, un expressiste, qui, si on pose un tout petit peu les spécificités de cet acteur, a un réseau en fait qui maille l'ensemble du territoire français. Et on a eu différentes questions qui se sont posées à nous. Premièrement, dans toutes ces plateformes, dans ce réseau de plateformes,
comment s'assurer que, d'un point de vue national, on arrive à faire en sorte que la promesse de service, donc il y a un délai, puisse être tenue en travaillant en fait toutes les connexions de ces plateformes vraiment sur plutôt une approche nationale. On a eu aussi une autre question qui s'était posée à nous dans le cadre de ce projet, c'est maintenant à la maille d'un site et de sa région, comment est-ce qu'on arrive à mieux gérer les interactions avec les sites de distribution qui se livrent des produits entre eux et éviter la saturation en fait d'un entrepôt ou d'un site de distribution en particulier parce qu'on aurait mal anticipé un pic de saisonnalité ou un événement commercial, on peut penser au Black Friday qui fait exploser en fait les volumétries de produits qui transitent dans ce réseau. Donc c'était, il y avait ces deux angles-là. D'accord. Du coup, sur un tel projet, comment on pourrait synthétiser les bénéfices pour votre entreprise cliente et peut-être des limites encore au modèle actuel si on estime que c'est encore des sujets émergents? Déjà, les grands gains, lorsqu'on parle à nos clients, hein, que ce soit sur ce cas en particulier, donc plutôt un acteur de la logistique, mais si on s'adresse à des acteurs du retail, on peut penser à la grande distribution, vraiment, on peut identifier deux grandes natures de gains. Sans vouloir utiliser un buzzword du moment, on parle de résilience. On a eu énormément, récemment, beaucoup avec le Covid, mais aussi avec le Brexit, beaucoup de cas d'application où les données, en fait, les données du problème changent brutalement. Et dans ce cas de figure, comment est-ce que mon réseau qui a été dimensionné avec un jeu d'hypothèses, comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que je sois à un niveau, on va dire, constant de d'efficience, donc on pense au coût, de service rendu, donc on peut penser au délai, et comment est-ce que j'arrive en fait à m'adapter à un environnement beaucoup plus changeant. Donc, on a ce sujet-là de résilience, en fait, pour les réseaux logistiques. Le deuxième sujet, enfin, le deuxième grand gain que nos clients anticipent, c'est l'anticipation. Avec la capacité, en fait, à avoir une réplique numérique de son réseau, on peut se poser sans fin la question « et si, et si, et si ?». Et on peut jouer avec ce qu'on appelle en fait une approche par scénario. Dans ce cas de figure-là, on peut anticiper des changements législatifs, des changements sur la nature même des produits que le réseau transporte, ou un changement en fait de besoins clients. On a des nouvelles tendances qui émergent, notamment tout ce qui est lié au e-commerce, le fait qu'on commande de plus en plus en ligne. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut modéliser avec un jumeau numérique et du coup avoir le coup d'avance pour se préparer et être en capacité de répondre, on va dire, à un changement de contexte. Et ensuite, pour la dernière partie de votre question sur quelles sont les limites en fait aujourd'hui du modèle, les limites en fait sont essentiellement en fait autour de la data, autour de la donnée. Je pense que juste avant, les intervenants l'ont très bien expliqué. L'une des caractéristiques clés du jumeau numérique d'un réseau, mais pour tout autre jumeau numérique, c'est d'être en capacité de s'approvisionner en données chaudes. Et là, tout de suite, on met le doigt sur plusieurs natures de problèmes. Le premier, c'est comment, d'un point de vue capacité à collecter ces données, comment est-ce que je suis outillé? Est-ce que j'ai les bons capteurs dans ma supply chain pour avoir sur mon réseau la bonne remontée d'informations pour pouvoir la traiter? Il y a un deuxième écueil qui est toujours autour de la donnée, c'est autour de cette notion de temps réel. On n'a pas besoin forcément d'avoir des données mises à jour à la minute, à la seconde. Du coup, l'enjeu ici, c'est en fonction du cas d'usage qu'on veut traiter, anticiper, par exemple, une évolution d'une demande de marché, c'est de se dire, voilà, quel est mon besoin et jusqu'où je mets le curseur dans le temps réel. Et le dernier problème, enfin challenge, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre toutes ces données-là compatibles, puisque je vais me sourcer, entre guillemets, sur différents acteurs, et il faut que ces acteurs parlent le même langage. Et pour que cette donnée soit agrégeable, on a un sujet autour d'avoir des référentiels de données uniques pour que ça puisse être agrégé et consommé par un jumeau numérique.
Très clair. Adam Cablan, merci. Merci à vous. Pour ce témoignage. Merci. Et du coup, ça clôture cette première séquence. J'espère qu'elle a permis d'atteindre ses objectifs, à savoir poser le concept. On l'a vu, c'est une démarche et des outils quand on parle du jumeau numérique, avec de la modélisation, de la collecte de données, de la simulation, de l'anticipation. Et puis, on a pu l'aborder au travers de deux cas très concrets. Je remercie mes intervenants. La gestion immobilière et le bâtiment. Et puis, à l'instant, la logistique et les flux. Je vous propose aussi de passer maintenant tout de suite à notre deuxième séquence. Rebienvenue pour cette deuxième séquence intitulée « Un outil de conception et de pilotage de demain, point d'interrogation ». Pour aborder cette question, je suis ravi d'avoir trois nouveaux intervenants. Nous allons parler avec Rayad Ziyour qui est avec nous en téléconférence de la société Aegis, Marie-Paul Daguerre qui j'ai la chance d'avoir sur le plateau aujourd'hui, et puis nous parlerons aussi avec Frédéric Gilbanus de Powerbeam en direct depuis l'Espagne. Cette deuxième séquence va continuer à traiter un point qu'on a abordé du coup dans la première autour de la gestion immobilière et du bâtiment. Les hôpitaux, ce sont des bâtiments complexes avec de gros enjeux tant en conception que maintenance et exploitation. Et du coup, il nous semblait intéressant de focusser sur cette partie-là et de faire intervenir trois spécialistes de ce domaine. Aussi, je vous propose de démarrer dès maintenant ce point avec nous, du coup, Rayad Ziyour, directeur d'Open Energy, qui est une filiale du groupe Aegis, et vous travaillez dans l'ingénierie du bâtiment et utilisez le jumeau numérique, ce qui tombe plutôt bien avec notre sujet du jour. Aussi, je vais vous donner la parole. Je crois que vous avez aussi quelques images à nous montrer et tout simplement nous repréciser votre métier et puis en quoi, quelle est, vous, votre approche du jumeau numérique. Et puis ensuite, on verra peut-être des illustrations et des cas concrets que vous avez traités en tant que société d'ingénierie. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction. Je me suis tout à fait retrouvé dans les présentations précédentes du jumeau numérique. Donc, quelques mots déjà sur Aegis. Donc, moi, je suis directeur d'une filiale du groupe d'ingénierie Aegis. Alors, si on peut présenter la première slide. Aegis, c'est le leader français de l'ingénierie. On fait un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires avec une très forte croissance. On est spécialisé dans tout ce qui est infrastructure, mais également bâtiments. Et au sein des bâtiments, tous les bâtiments de santé, que ce soit notamment les hôpitaux, bien sûr, c'est vraiment un axe vraiment stratégique pour le groupe. Et tout ce qu'on peut faire pour améliorer la conception et l'exploitation des bâtiments de santé est un axe majeur. Alors, quelques mots sur le jumeau numérique vu de l'ingénierie. Je crois que ça a été très bien présenté précédemment. Le jumeau numérique, c'est vraiment avoir une maquette du bâtiment qui suit le projet de ses prémices, donc depuis l'esquisse jusqu'à l'exploitation. C'est un peu fermer ce cercle pour créer plus de valeur. Donc, on va créer un modèle qu'on va enrichir au fur et à mesure de la conception, qu'on va enrichir en phase travaux pour s'assurer que tout se passe bien. Et surtout, une fois qu'on rentre en exploitation, on va le brancher aux données vivantes, chaudes, comme disaient les autres intervenants. Et ces données chaudes, alors concrètement, c'est quoi hein, dans un bâtiment? C'est des données de capteurs de température, d'humidité, de présence, mais également des capteurs d'énergie qui vont permettre de savoir combien consomment les différents équipements. Ça peut être également des capteurs qui vont dire si la ventilation est en route ou bien si la lumière est allumée. Tout ça va nous permettre de savoir l'état du bâtiment, sa présence, son confort, son usage. Et on va pouvoir du coup comparer ça à nos prévisions de modélisation, savoir si le bâtiment fonctionne conformément à ce qui était prévu, identifier des gisements d'amélioration, et puis aussi, je pense que c'est très important, comme l'ont dit d'autres intervenants, pouvoir identifier des scénarios alternatifs en cas de nouveaux besoins, que ce soit des besoins de confort, des besoins de réorganisation de l'espace, etc. On va pouvoir finalement étudier ces scénarios grâce à la maquette de façon ensuite à pouvoir les déployer dans le vrai monde d'une façon très efficace et à moindre coût avec un confort assuré. Alors cette démarche de continuité de la conception et l'exploitation, le groupe Aegis l'a déployée à plusieurs reprises et là je voudrais partager des retours d'expérience concrets de comment ça se passe sur le terrain. Alors le premier cas retour d'expérience, c'est le lycée Brechini à Rennes. Alors, si on peut partager la deuxième slide, ce serait parfait. Donc, le lycée Brechini, c'est le plus grand lycée de Bretagne qui a été rénové lourdement ces dernières années
par un groupement auquel Egis faisait partie. Et l'idée, c'était de rénover ce bâtiment en site occupé de façon à faire de très grandes économies, d'améliorer le confort et d'assurer, on va dire, une performance dans la durée. Donc pour ça, le groupe Egis a mis en place une logique de jumeaux numériques, c'est-à-dire une maquette numérique qui a permis d'optimiser la conception, que ce soit sur les volets énergie, carbone, confort lumineux, confort d'usage, confort thermique, mais également optimiser les travaux grâce à ce qu'on appelle du off-site, donc de la construction en atelier, où en gros on vient ramener des façades préfabriquées pour optimiser les travaux de rénovation. Et puis en exploitation, ce lycée est équipé de centaines de capteurs qui permettent de savoir en fait le confort et les consommations des bâtiments. Et on compare ça en fait au modèle simulé pour voir si le bâtiment fonctionne comme prévu et éventuellement identifier des gisements d'amélioration pour être au plus près de la promesse client. Donc, cette démarche globale de jumeaux numériques, elle est vraiment très performante. Elle a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire, que ce soit en termes de délai ou de coût et de performance. Et c'est vraiment une réussite. D'ailleurs, c'est un projet qui avait gagné le Grand Prix national de l'ingénierie en 2020, parce que c'était voilà, exemplaire de ce qu'on pouvait faire en termes D'accord. d'efficacité, mais aussi de reproductibilité, c'est-à-dire qu'on peut refaire un projet comme ça. On connaît tous les enjeux de la rénovation aujourd'hui. Merci. Alors ça, c'était le lycée, c'était le premier cas d'étude qui était, on va dire, assez simple, entre guillemets. Passons maintenant à un deuxième cas d'étude qui est plus proche de la nappe, qui est le domaine de la santé. On travaille aujourd'hui sur un deuxième projet qui est le pôle santé de l'Université de Bordeaux. L'Université de Bordeaux fait vraiment un très grand plan immobilier, notamment donc, il y a la réhabilitation, la rénovation et la construction d'un nouveau bâtiment autour de tout ce qui est recherche, enseignement dans le domaine de la santé, donc les sciences médicales et biologie. Et donc le groupe Egis participe aux côtés de ses partenaires à ce grand projet. Et donc il y a deux bâtiments, donc deux grands bâtiments, 38 000 m2. Et on met en œuvre cette logique de jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on fait un modèle de conception, qu'on fait évoluer de la phase concours à la phase livraison puis exploitation. On déploie des centaines de capteurs pour remonter les données. Et je dirais que ce qui fait la spécificité de ce projet par rapport au lycée Bréquigny, c'est la technicité du bâtiment. C'est-à-dire qu'un bâtiment comme celui-ci, qui va ressembler un peu à un hôpital, il va y avoir des blocs, il va y avoir des animaleries, des choses qui sont voilà, liées au processus, on va dire, biologie-santé. Et du coup, il y a des enjeux autour des systèmes de climatisation, ventilation très précis, un confort hygrométrique à maîtriser dans un certain nombre de salles, des ventilations qui sont extrêmement plus complexes que dans un lycée. Et donc tout ça va rendre le jumeau numérique encore plus intéressant puisqu'on va pouvoir optimiser beaucoup plus finement des choses en maîtrisant tous les enjeux fonctionnels qui sont celui d'un bâtiment complexe et les économies derrière en termes notamment de maintenance et de carbone sont encore plus importantes que dans un lycée. Mais voilà, ça demande encore plus de préparation. Et si je devais partager un conseil avec nos auditeurs, ce serait vraiment de vraiment bien anticiper tout le volet data, c'est-à-dire s'assurer que le plan de comptage et les compteurs qui sont mis en œuvre sont bien pensés et bien mis en œuvre pour permettre ce croisement entre données chaudes et données froides, comme ça a été dit, et permettre à ce jumeau numérique de vivre efficacement. Merci beaucoup, Riyad, pour ce témoignage et ces deux illustrations très concrètes. Je vous propose de rester dans cette thématique, jumeau numérique, ingénierie, bâtiment, et en repassant en plateau, sur lequel j'ai le plaisir de recevoir Marie-Paul Dayer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des comptes industrie et services de santé pour ABB Robotics en France et en plus présidente de la commission Smart Hospital de la Smart Building Alliance. Vous allez nous parler de cette association qui regroupe un grand nombre d'acteurs de la construction. Et j'aimerais vous entendre sur le sujet. Alors, on parle de jumeaux numériques, on l'a bien vu dans le bâtiment, on parle volontairement aussi de BIM, Building Information Modeling. Bref, par rapport à cette association qui regroupe beaucoup d'acteurs, finalement, la SBA, quel est votre point de vue sur ces usages de BIM ou de jumeaux numériques et votre avis là-dessus? Et selon vous, est-ce vraiment un des outils d'avenir pour demain? Merci Paul pour l'introduction, pour l'invitation. Merci à la NAP. Donc oui, d'abord quelques mots pour présenter la SBA. Donc c'est une association professionnelle qui a été créée en 2012 et qui fédère aujourd'hui à peu près 500 membres de la filière du bâtiment et de la ville. Et sa vocation donc est d'accompagner ces acteurs dans les transitions numériques et
énergétique, donc au service des usagers. Et c'est là où c'est une démarche assez innovante. Elle s'internationalise aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans d'autres pays. Et l'idée, c'est de construire des cadres de référence, d'accompagner par la formation également des acteurs de la filière, et puis de structurer, d'amener un peu de prospective aussi dans ces sujets qui sont complexes et interconnectés. Alors, il y a à peu près 2000 contributeurs aujourd'hui dans les commissions de la Smart Buildings Alliance, qui travaillent sur ces cadres de référence et ces outils, et notamment donc, sur un cadre qui a été publié, qui s'appelle le BIM for Value, et qui a été co-construit avec des organismes aussi comme le Syntec, comme l'Ordre des architectes et d'autres, donc, voilà, qui démontrent bien aussi l'intérêt d'inclure l'ensemble des acteurs de la profession sur ces sujets-là. Et des acteurs également comme, voilà, plus dans le monde de la santé, comme Corian ou comme ICAD Santé, ont aussi fait partie de ce groupe de travail. Donc, ils sont les précurseurs aussi dans l'intégration de ces éléments. Et donc la commission Smart Hospital que j'ai la chance de présider décline en fait cette dynamique dans l'enceinte ou dans l'écosystème hospitalier. Très bien. Du coup, par rapport au milieu hospitalier, où est-ce qu'il y a des recommandations particulières ou des points d'attention particuliers quand on s'adresse à des responsables d'hôpitaux ou quand on pense au bâtiment hôpital? Complètement, parce qu'on n'est pas, je dirais que sur les applications tertiaires qui sont largement plus déployées dans le domaine industriel aussi, évidemment, où on a des questions de ROI, où on a des questions de performance, économique qui sont... Voilà, nettement plus intense. Je dirais que là, on essaie à la SBA également de renverser cette tendance, de dire, OK, on ne va pas subir la contrainte numérique. Au contraire, on va s'en servir pour libérer des usages, pour accélérer les services rendus, et aussi bien en termes de performance, mais aussi en termes de clients, entre guillemets, c'est-à-dire le patient, les équipes soignantes, et puis les personnes qui vont aussi exploiter, gérer le bâtiment et le faire évoluer dans le temps. Donc on voit bien qu'il y a des méthodes industrielles qui s'infiltrent petit à petit aussi dans l'écosystème de la construction hospitalière. Et le BIM en est un, c'est-à-dire que c'est une brique intéressante à utiliser quand on utilise la méthode agile, notamment de conception avec les futurs habitants de l'hôpital, les futurs usagers qui vont y vivre, qui vont y travailler, qui vont venir se faire soigner. Donc, on utilise le BIM vraiment sous cet angle-là. Et puis ensuite, donc, c'est un formidable outil de performance à la conception. C'est-à-dire que tous les participants du projet de conception sont inclus dans cette vue qui est vraiment intangible, qui est partagée avec l'ensemble des acteurs et où on va pouvoir émettre des avis, des recommandations, faire des modifications en anticipation, évidemment, de l'exécution du projet. Donc, on gagne du temps, on passe peut-être un petit peu plus de temps en amont, évidemment, dans les allers-retours, dans la démarche itérative. Mais c'est un gain de performance très important en termes d'exécution de projet. Et puis, ça permet aussi, évidemment, de collaborer. Je crois que c'est un point important, puisque le numérique a cette, cette capacité, cette transversalité importante, ce qui fait que les différents corps de métier vont être amenés aussi à échanger ensemble. Alors, on l'a évoqué dans les exemples précédents, il y a cette logique, en effet, la difficulté et le point crucial qui est la collecte de la donnée. Justement, en parlant de données, de numérique, est-ce que les sujets de gouvernance autour de la donnée font partie de vos réflexions et est-ce que vous les abordez dans le cadre de la SBA? Ouais, complètement. C'est aussi des points de vigilance que l'on adresse, c'est-à-dire qu'il y a les aspects très techniques pour lesquels on développe aussi des cadres de référence, le cadre R2S for Care qu'on est en train de finir actuellement. Donc j'en profite pour faire une promotion. On décrit évidemment les points techniques d'infrastructure de réseau qui est un socle absolument nécessaire
pour déployer le reste. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout cet aspect de gouvernance des données, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient qualifiées, il faut que, voilà, on sache quoi en faire, évidemment, ça a été mentionné aussi. Mais c'est aussi la gouvernance des équipes. On fait discuter ensemble des gens qui n'ont pas le même langage, des data scientists, des data analysts, des chefs de projet, des soignants, quelquefois des associations de patients aussi quand ils sont impliqués dans les projets. Donc évidemment, l'ensemble de ces acteurs ont besoin de traducteurs, ont besoin d'interprètes aussi. Et c'est là où on accompagne au niveau de la SBA, par des formations, mais aussi par des ateliers, par des partages d'expériences que l'on va... voilà, essayer d'apporter au sein des différents acteurs et puis de leurs partenaires. Parce qu'effectivement, il y a la maîtrise d'ouvrage, mais pas que. Elle est accompagnée par des, voilà, les économistes, des assistants maîtrise d'ouvrage, par des spécialistes, par des consultants et par la maîtrise d'œuvre de façon générale. D'accord, très bien. Et du coup, vous avez évoqué, vous produisez des cadres de référence, des outils. C'est des choses qui sont du coup appréhendables par les gens qui ont des projets de construction en hôpitaux. Ils sont déjà opérationnel, consultable, utilisable ? Oui, alors je dirais le plus ancien est le cadre de référence R2S, donc Ready to Services, qui lui donc est déployé depuis quelques années déjà. Donc il y a des retours d'expérience également qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a aussi donc le BIM for Value que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui est utilisé notamment donc par Corian, par I4 Santé, qui l'ont intégré. Et puis de façon générale, je pense que c'est important également de penser à voilà, au même titre que c'est une stratégie de l'établissement, de devoir inclure finalement la digitalisation dans la stratégie de l'établissement, mais aussi dans sa stratégie immobilière. On l'a compris, ça amène des éléments de performance et de gestion. Il y a une question de filière complète à structurer, de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'entreprise qui va aussi alimenter cette base, jusqu'à la capacité de pouvoir faire du rétro, de la rétro-modélisation, ouais. C'est-à-dire des anciens bâtiments, il faut aussi les inclure si on veut bénéficier ou pas. Après, c'est des choix à déterminer. Bien sûr. Mais voilà, il y a un investissement en compétences, comme dans chaque phase d'évolution et en outils. Mais je dirais que là, la SBA est aussi là pour accompagner de façon assez unanime au niveau de la filière. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour ce témoignage et nous avoir fait découvrir ces outils et cette association. Je vous propose de rester dans la thématique et cette fois-ci de voyager un peu, d'aller en Espagne, d'aller à la rencontre de Frédéric Gil Banyus, qui est avec nous en direct, alors pas sur le plateau, mais par les écrans interposés. Gilles, vous êtes manager chez BIM 6D. Et c'est intéressant, donc on reste dans le thème du BIM, du jumeau numérique appliqué au bâtiment. Et vous allez pouvoir nous parler de votre société qui développe une approche et une plateforme dédiée à ce sujet et qui permet justement de passer de cette logique de BIM qui est maintenant connue de nos auditeurs et qui est très répandue dans le bâtiment à comment on l'upgrade quelque part pour en faire du jumeau numérique. Du coup, je vous donne la parole pour vous présenter et nous parler de cette approche et de cette plateforme. Et après, on le verra, on reviendra très vite sur le sujet de la santé. Bonjour Paul et à tous. Je suis Frédéric Gil, ingénieur, partenaire et manager d'ingénierie 4.0 de BIM 6D. Merci l'ANAP de nous avoir donné l'occasion de présenter notre proposition pour les hôpitaux et usagers de l'avenir. Nous sommes une start-up de numérisation et d'ingénierie 4.0 basée à Barcelone, spécialisée dans l'industrie AECO, architecture, ingénierie, construction et opération, de sorte que notre équipe est intégrée par des architectes, des ingénieurs et des développeurs. Nous sommes des intégrateurs de systèmes spécialisés dans Digital Twin et nous gérons plusieurs technologies pour les bâtiments et infrastructures intelligentes et écologiques en utilisant le cloud et l'outil complet. Nous partagerons nos retours d'expérience autour de la gestion des flux et la performance des bâtiments et ses environnements, mettant déjà notre expertise au service du secteur de la santé avec nos cas d'usage en tant qu'outil de conception et de pilotage de demain. Et cette présentation, s'il vous plaît. Nous voulons aussi vous exprimer aussi comment créer des jumeaux numériques grâce aux six dimensions BIM, c'est-à-dire comment créer un écosystème et un modèle de jumeaux numériques à travers un processus basé sur les six dimensions BIM pour la performance du cycle de vie
et processus des hôpitaux intelligents intégrés dans des villes intelligentes où les UCCR sont le centre. Power BIM est un écosystème de jumeaux numériques plateforme intégrant des multiples technologies. Là où BIM n'est qu'un d'entre eux, et l'automatisation est la clé pour le rendre facile à l'utiliser. Power BIM organise aussi en 6 dimensions un ensemble d'outils, la plupart liés aux données, mais il y en a d'autres très utiles pour organiser des études liées à ces domaines spécifiques, dimensions, et pouvant être utilisées dès la table de la conception de la construction, mais bien sûr en état réel pour la gestion des installations et l'exploitation. BIM 6D est un ensemble de services qui sont organisés pour les 6 dimensions, dans lesquelles chaque dimension contient des tâches spécifiques pour le développement, y compris les dimensions 1 et 2, et stratégie numérique et analyse des données, tout ce qui est 3D, le modèle numérique, et son lien aux données, par exemple le 4D avec le temps, le 5D avec le coût, pour aider la gestion de la construction, mais aussi, le plus important, la 6e, qui est pour nous tous ce que vous pouvez faire une fois que vous avez un modèle prêt à s'intégrer à d'autres disciplines et systèmes. 6D est la dimension pour les simulations de confort et santé, la performance énergétique, simulation des flux de personnes, mais aussi l'intégration des gestions des installations, systèmes de contrôle de bâtiments, d'énergie ou de la maintenance, et des autres systèmes d'information, clinique, RP, CRM, etc. Très bien. Et bien sûr, les autres outils des Digital Twin. Merci. Merci Gilles. On voit bien du coup cette approche en 6 dimensions et qui permet de complexifier, j'allais dire, le BIM en y rajoutant de la valeur ajoutée pour aller vers le jumeau numérique, notamment avec ces dimensions de temporalité, de coût, de service. Je vous propose du coup de cette approche-là appliquée à la santé. Enfin, on sait que dans l'industrie, on parle d'industrie 4.0 quand on met du jumeau numérique dedans. Il me semble que vous travaillez sur un projet européen qui s'appelle Hôpital 4.0. Du coup, peut-être vous pouvez nous dire un mot sur cette déclinaison de votre approche dans le cadre de la santé, dans le cadre de ce consortium. Oui, d'abord, notre approche qui nous faut dérouler, pas forcément avec toutes les étapes aux dimensions, les 6 dimensions, mais cet projet, on développe avec un consortium. Et c'est un projet innovatif collaboratif avec des fonds européens et avec le pôle de Spartec. Et en poursuivant l'objectif d'optimiser l'utilisation des ressources hospitalières et leur maintenance prédictive pour les unités de soins intensifs et des autres salles spécialisées. Et ce projet comprend la réalisation d'un pilote de jumeaux numériques sur cette installation réelle, dans laquelle la concordance et la fonctionnalité des diverses technologies sont validées au sein de l'industrie 4.0, y compris la simulation des systèmes, l'apprentissage automatique avec le machine learning et la réalité virtuelle augmentée. Mais aussi donc, la connexion sur des capteurs IoT, l'interconnexion avec des autres systèmes de données, donc le système de la maintenance et le design. Donc, Power BIM, dans ces projets collaboratifs, est un outil digital twin qui est relié des modèles numériques des bâtiments et ses équipements à des bases de données pour gérer tout le cycle de vie des équipements et le reliant aux données et informations des patients et des ressources professionnelles qu'on aura besoin, en surveillant, en simulant et en améliorant les performances de l'actif et avec des simulations dynamiques et algorithmes proposer des processus prédictifs. Nous orientons la plateforme pour contrôler et gérer ces systèmes d'équipement et le processus clinique et en distance et en utilisant l'IoT avancé, l'apprentissage automatique et le développement d'éthiques intégrées au BIM sur le cloud dans une plateforme SaaS pour toutes les parties prenantes du cycle de vie du projet en intégrant des appareils réels à leurs jumeaux dans la plateforme pour prédire la disponibilité des ressources. Mais en général, dans ce type de projet pilote, nous intégrons des appareils sans pilote et différentes bases de données. Et pour ça, il est nécessaire une collaboration avec un réseau de partenaires, intégrant des drones, par exemple, avec des scanners, photogrammétrie, des systèmes de gestion et des capteurs, des robots, parfois, des appareils de réalité virtuelle augmentée, et bien sûr, des clients innovants pour faire réalité ces projets pilotes. Power BIM, toutes les technologies intégrées pour fournir cette solution de digital twin complète en couvrant les 6 dimensions du BIM, même si on n'utilise pas du BIM. Très bien.
Merci. Merci Frédéric pour cette présentation et donc la mention de ce projet européen Hôpital 4.0 qui est financé du coup au niveau européen et qui travaille sur ce sujet du jumeau numérique sur la base de votre méthodologie et plateforme. Merci beaucoup Gilles. Cette intervention termine le tour de table de cette deuxième séquence. On l'a vu. Je crois que j'espère que c'est clair. Pour un bâtiment, et notamment pour un bâtiment aussi complexe qu'un hôpital, il y a beaucoup de valeur ajoutée à avoir en utilisant ces approches. Alors, on a parlé de BIM et de jumeaux numériques. On sait aussi, on a vu que c'est du temps long, c'est de la complexité, il y a de l'investissement, la collecte de données est une difficulté. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que finalement, les dynamiques d'alliance, de partenariat, de consortium qui sont à l'œuvre sont nécessaires pour... j'allais dire faire avancer le sujet, croiser les regards, et je pense que dans tous les exemples, on a pu le voir. Aussi, je vous propose maintenant de passer à notre séquence suivante. Troisième et dernière séquence de cette webconférence « Un jumeau numérique pour mon hôpital ». Celle-ci s'appelle « Comment lancer un projet de jumeau numérique ». Nous allons avoir la chance de parler d'un cas réel concret, pionnier, celui du CHU de Saint-Étienne. Nous aurons aussi l'occasion de rediscuter avec Sandra Berthezen qui viendra avec moi conclure cette partie et donner son point de vue très intéressant sur le jumeau numérique et notamment son approche de l'humain. Pour lancer cette séquence, on l'a vu précédemment, il y a de l'utilité quand on parle de l'hôpital en tant que bâtiment. Il s'agit maintenant d'ouvrir le bâtiment et de s'interroger sur l'utilité potentielle et de quelle manière on y va du jumeau numérique lorsque je vais m'intéresser à son activité. Au-delà du bâtiment, il y a des médecins, des paramédicaux, des patients. Est-ce qu'on peut du coup utiliser les concepts du jumeau numérique, à savoir modéliser, capter de la donnée pour simuler, tester, améliorer les choses? C'est ce que nous allons voir dans cette séquence. Et puis pragmatiquement, se poser la question, si je veux lancer un projet de ce type-là, avec qui je le fais, comment je le fais, et avoir des témoignages très intéressants sur ce sujet. Aussi, je vous propose tout de suite d'introduire mon premier intervenant, qui n'est pas sur le plateau, mais qui est à distance. Gilles Larose, bonjour. Vous êtes directeur délégué au pôle clinique et blog du CHU de Saint-Étienne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour introduire votre propos, j'ai envie de dire, comme M. Jourdain, en tant qu'ingénieur de formation, finalement, vous faites du jumeau numérique depuis longtemps. Si on garde l'acceptation qu'on a eue dès le début de cette émission, à savoir on modélise, on se pose des questions, on simule et on trouve des nouvelles réponses grâce aux données et aux algorithmes, c'est ce que vous faites. J'ai envie du coup, pour ouvrir le cas du CHU de Saint-Étienne, de commencer par quel a été finalement le problème ou la question à craquer au CHU de Saint-Étienne pour aller chercher ces approches et les élèves ingénieurs qui vont avec dans votre cas. Bien, tout d'abord, je vous remercie ainsi que l'ANAP de me donner la possibilité de participer à ce jour. La question qui vous était posée était simple. Nous voulions développer la chirurgie opératoire et à ce titre, nous avions dégouloté en fait, toute la capacité de notre capacité physique de notre chirurgie ambulatoire. Et la question est de dire, est-ce que cette capacité va répondre à notre besoin? Ayant une expérience de ce type de modélisation de choses dans l'industrie, donc fait appel à des de l'école des mines pilotée en lien avec Vincent Augusto pour répondre à nos questions et nous permettre d'anticiper, puisque nous n'avions pas la possibilité de construire une unité de chirurgie ambulatoire de zéro, nous devions en fait adapter des locaux et donc intégrer des contraintes qui n'étaient pas forcément souhaitées par les médecins et les soignants, mais subi parce que nous avions un foncier à utiliser. Et doubler la capacité d'un foncier, c'est techniquement facile, mais encore faut-il que ça réponde aux besoins. Donc, la genèse, ça a été comment augmenter notre activité ambulatoire dans des locaux adaptés sans faire exactement ce que l'on voulait. Très bien. Une fois que cette question est posée, du coup, en termes de jumeaux numériques, qu'est-ce que vous avez été amené à travailler comme solution? Qu'est-ce que vous avez modélisé et quelles données vous avez finalement utilisées avec votre équipe?
En fait, c'est très simple, c'est quel est le parcours patient. C'est-à-dire que le parcours du patient, de son entrée dans l'unité, au bloc, dans les salles opératoires et dans les salles de réveil. Donc, en fait, à chaque étape, mesurer le temps moyen que cela représente. Alors, moyen et dispersion, c'est-à-dire, en fait, nous avons décrit pendant un mois le fonctionnement de notre unité avec des étapes physiques, des déplacements, des prises en charge par les soignants. Donc, cela veut dire, en fait, une connaissance détaillée de notre parcours, à la fois géographique, où cela se déroule, qui prend en charge en termes humains, avec quoi, des lits, des salles de bloc, des places dans des salles de réveil, et à chaque fois mesurer le temps réel que ça a pris, de manière à avoir, à l'issue du mois, un descriptif en nombre, en évolution et en dispersion de la donnée. C'est-à-dire que une prise en charge d'un patient, ce n'est pas 12 minutes 37 secondes, c'est en moyenne un quart d'heure avec une certaine variation. Et en fait, on décrit la réalité et on regarde comment tout cela s'imbrique. C'est en fait la description complète et détaillée du parcours patient. Et à partir de ça, les étudiants ont modélisé avec les outils mis à leur disposition par l'École des Mines, et ça nous a permis d'avoir une description de ce qui est, enfin, description informatique de notre outil. C'est fondamental, c'est bien connaître, bien être capable de décrire étape par étape que l'on veut. Alors, ce dont vous parlez, et c'est ce qu'on a vu en préparant cette émission, c'est finalement, c'est plus une approche et une méthode qu'un outil ou une technologie spécifique, en tout cas à ce stade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous m'avez dit finalement de prendre cette méthode, parfois on tombe sur des, par rapport aux problèmes à traiter, hein, ça apporte des réponses contre-intuitives, où ça vient justement challenger ce qu'on peut penser du point de vue du métier ou du décideur. Est-ce que vous pouvez illustrer ce point-là par un ou deux exemples ? Effectivement, l'outil en soi permet de décrire la réalité. Comme c'est l'objet aujourd'hui, c'est à quoi est-il utilisé ? Personnellement, ce que je craignais, c'est qu'avoir une unité capable de prendre 30 à 40 patients par jour, en ayant une trentaine de salles de bloc, nous ayons en fait un goulot d'étranglement qui fasse que nous soyons amenés à dire ben, certains jours, on n'autorise qu'un certain nombre de spécialités. Je craignais qu'on soit obligé de mettre des contraintes. Les étudiants ont montré que non, il n'y avait pas besoin de mettre de contraintes, que compte tenu de notre case mix d'activité, compte tenu des durées, etc., nous n'avions aucune contrainte à mettre. Donc, on a respecté les calculs, on a démarré sans mettre aucune contrainte, et force est de constater plusieurs années après qu'ils avaient raison parce que nous n'avons mis aucune contrainte par spécialité. Ça nous a permis de dimensionner le nombre de brancards physiques dont on avait besoin, puisque ça faisait partie des paramètres d'études. Ils ont dimensionné un maximum de capacité et en fait, chaque fois qu'on approche de ce maximum qu'ils avaient modélisé, effectivement, l'unité est en difficulté. Mais ça a été étayé et ça nous a permis, grâce à leur travail, non pas de dire il faut qu'on mette plus ou moins d'ophtalmo, plus ou moins d'ortho, plus ou moins d'ORL, mais de dire nous ne pouvons pas aller à plus d'un certain ratio d'anesthésie générale ou anesthésie locale, ou attention, si les patients restent trop longtemps dans l'unité, on ne pourra pas dépasser un certain seuil. Et donc de travailler avec les chirurgiens justement à cette optimisation, à ce case mix qui nous permet 7-8 ans après, de continuer à faire tourner l'unité en ayant respecté les règles et les modèles qu'ils avaient produits. Pour conclure, du coup, si je comprends bien, dans votre cas, l'expérience, on a apporté, via ces méthodes et en faisant intervenir ces profils ingénieurs et les chercheurs qui vont avec, le problème dont on parlait au début, on a trouvé une réponse et elle est toujours appliquée aujourd'hui ? Elle est toujours appliquée. L'équipe projet était simple. Il y avait des étudiants, puisqu'on a eu plusieurs étudiants. Certes, un ingénieur des mines aussi pour faire le lien. La cadre de l'unité, la cadre sup, des chirurgiens, les infirmiers. En fait, l'équipe projet connaissait parfaitement le fonctionnement de l'unité. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que le descriptif du processus soit validé par les professionnels parce que ça va être leur ressenti, c'est eux qui savent. Eux vont savoir quelles sont les étapes, quels sont les enchaînements
Et c'est ça qu'il faut modéliser. Donc, leur participation n'est même pas discutable. Mmh. Ensuite, il faut mesurer. Donc, j'ai fait la même chose dans l'industrie, c'est toujours pareil. On décrit le parcours, on décrit la variabilité de chacune des étapes. Et ensuite, ça nous permet de disposer d'un modèle et de savoir comment ensuite on va faire des évolutions pour tester différentes solutions et les mettre ensuite en œuvre au niveau opérationnel. Parfait. Gilles Larose, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose du coup d'enchaîner avec une interview enregistrée là aussi il y a quelques jours, mais qui va apporter un autre éclairage sur le même sujet. Et nous allons voir l'interview de Vincent Augusto. Vincent Augusto est professeur en ingénierie des systèmes de santé à l'École des Mines et il a été impliqué dans ses expériences et expérimentations au CHU de Saint-Étienne. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Vincent Augusto, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École des Mines et aussi directeur du Centre d'ingénierie en santé de cette même école. Et on est très ravis de vous avoir aujourd'hui en interview dans le cadre de notre conférence avec l'ANAP. Pourquoi ? Parce que vous avez été un contributeur essentiel du projet qu'on a commencé à évoquer dans cette table ronde autour du CH de Saint-Étienne. Alors, sans revenir sur l'ensemble de la définition du projet, peut-être finalement, question très basique, mais un pôle de recherche comme le vôtre dans un projet comme ça, qu'est-ce qu'il y fait, qu'est-ce qu'il y trouve et pourquoi ? Oui, merci pour la question. Donc, le Centre Ingénierie et Santé travaille depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années à peu près, avec des hôpitaux de toute la France pour développer des projets d'innovation organisationnelle. Donc, l'idée, en fait, nous, ce que l'on fait, c'est que l'on va développer des outils informatiques qui vont permettre, en fait, d'aider à améliorer l'organisation d'un hôpital, d'un service de soins, de faire de l'aide à la décision pour les médecins, pour les dirigeants de ces hôpitaux. Et donc aujourd'hui, on a un projet en particulier qui a été réalisé avec le CHU de Saint-Étienne qui porte sur un jumeau numérique du service des urgences. Et donc dans le cadre de ce projet-là, l'idée consiste en fait tout simplement à appliquer cette méthode de jumeau numérique à un service de soins de manière à pouvoir optimiser son fonctionnement. Très bien. Plus spécifiquement, le chercheur va intervenir du coup dans la conception de ce jumeau et après va travailler avec les médecins pendant le temps d'expérimentation. Vous travaillez toujours ensemble aujourd'hui ? Oui, tout à fait. L'idée consiste en fait à monter un projet dans lequel on va travailler avec un stagiaire, un doctorant, un ingénieur. Et l'idée consiste à avoir une co-construction du projet avec principalement finalement les praticiens des établissements, mais aussi les ingénieurs des opérations, la direction générale parfois, pour pouvoir concevoir l'outil qui va correspondre le mieux aux besoins de l'établissement en question, effectivement. Après, nous, en tant que chercheurs, l'intérêt, c'est de faire de l'innovation scientifique et bien sûr de publier sur ces avancées que l'on va faire ensemble. Très bien, merci beaucoup. On l'a vu depuis le début de notre émission, le jumeau numérique, finalement, il existe aujourd'hui, on va dire, plus encore dans le domaine industriel, autour des usines, dans l'armement. On voit même que dans les objets technologiques, ça existe beaucoup. Il se trouve que votre projet et vos sujets sont intéressants, vu que vous appliquez le jumeau numérique, finalement, à de l'activité humaine, des systèmes organisationnels. Où on va essayer d'y appliquer les mêmes concepts de modélisation, capter de la data, simuler, etc. Finalement, quand je passe et on l'a évoqué à la séquence précédente, d'un sujet comme par exemple un bâtiment à de l'organisation et de l'activité humaine, quelles sont finalement les grandes spécificités ou grandes différences pour appliquer le paradigme ou la méthode jumeau numérique ? Ouais, très bonne question. Alors, avant de vous répondre, je vais juste repréciser le jumeau numérique. Pour moi, ça va vraiment être un modèle de simulation, comme on peut en faire de différentes manières, et tel que l'on les connaît depuis pas mal d'années. Mais ce modèle de simulation va être synchronisé en temps réel ou pseudo-réel avec le monde réel. Et donc effectivement, dans l'industrie, on parle d'industrie 4.0. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir en fait des machines, d'usinage, d'une ligne de fabrication par exemple, qui aujourd'hui vont être pour la plupart connectées avec un système de contrôle central. Donc pour vous traduire ça de manière différente, la machine va envoyer régulièrement des informations sur son état, sur son niveau d'usure, sur le temps qui lui reste avant de tomber en panne, sur son activité en cours, etc. Et donc effectivement, vous avez de base des éléments qui permettent de capter en temps réel l'information et de l'exploiter dans un outil de monitoring à distance. La grosse différence et le principal défi finalement dans ce projet, c'est appliquer un jumeau numérique
organisationnelle à un hôpital, ça nécessite de récupérer de l'information qui n'est plus seulement détenue par des machines, mais aussi par des humains. Donc notamment les praticiens, les personnels de santé qui vont avoir une activité qui va différer en fonction de leurs compétences, de l'ordre de la journée, etc. Mais aussi les patients, parce que finalement, dans l'hôpital, vous le savez, hein, ce n'est pas des pièces d'usinage qu'on va monitorer, mais ça va être bel et bien des patients qui ont des problèmes de santé, qui vont avoir un parcours qui va être différent en fonction de leur pathologie, et ainsi de suite. Donc le principal défi, c'est là, c'est comment est-ce qu'on fait pour synchroniser notre jumeau avec un hôpital, sachant que les données sont principalement d'origine humaine. D'accord, très intéressant. Du coup, alors ça me permet de naturellement d'aller sur une question suivante qui est aujourd'hui Saint-Étienne, on l'a évoqué, c'est un POC, c'est une expérimentation. Vous venez d'évoquer les spécificités, les défis hein, qui sont presque éthiques ou philosophiques qu'on peut trouver derrière le jumeau numérique appliqué à une organisation. Si vous deviez partager finalement, si on veut aller plus loin que ces POC, les multiplier, peut-être demain envisager des systèmes qui passent à l'échelle et qui apportent des réponses tant en termes de monitoring que d'anticipation, tout en étant, éthiquement acceptable. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour aller plus loin ? J'allais dire, quand je dis nous, c'est collectivement au niveau des agences comme la NAP, des hôpitaux et votre point de vue de chercheur là-dessus, comment aller plus loin ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. La première, ce qui est crucial, c'est une appropriation des outils et de ce que l'on fait en innovation organisationnelle par les directions générales de ces établissements, de manière à ce qu'ils puissent bien comprendre quels gains ils peuvent avoir en utilisant ces outils-là. Aujourd'hui, un outil d'organisation, ça peut vous faire gagner du temps de séjour, une durée de séjour sur le séjour d'un patient à l'hôpital. Ça peut vous faire gagner des réadmissions en moins qui vont optimiser finalement la performance, en tout bien tout honneur bien sûr, de l'hôpital. Donc ça, c'est un premier facteur, c'est vraiment que les directions hospitalières s'approprient le sujet et comprennent tout l'intérêt qu'ils ont à investir dans ce type d'outils. Et ensuite, la deuxième réponse à la question, c'est effectivement de regarder pour disséminer, pour essaimer finalement ces outils-là dans plus d'établissements. Et donc là, effectivement, s'il y a un appel à faire, ce serait de se dire, si vous êtes intéressé par ce type d'outils, n'hésitez pas, il y a une expérimentation en cours au CHU de Saint-Étienne qu'on peut très bien répliquer et où on aurait tout intérêt aussi à explorer d'autres environnements et d'autres contextes particuliers. Et enfin, je pense que le troisième facteur, ça serait de regarder non seulement l'application d'un jumeau numérique à un service ou à un hôpital, qui en soi est une avancée technologique très intéressante, mais aussi, je pense, de prendre un peu de recul finalement par rapport aux problématiques aujourd'hui du monde hospitalier et de regarder finalement qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble d'un parcours de soins, de manière à regarder l'intérêt qu'on pourrait avoir à optimiser effectivement la partie hospitalisation du patient, mais aussi de regarder pourquoi le patient va à l'hôpital, donc regarder un petit peu en termes de prévention ce que l'on peut faire, mais aussi de regarder qu'est-ce qui se passe après la sortie du patient de l'hôpital, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, la communication ville-hôpital et ainsi réduire finalement la durée de séjour durant l'hospitalisation. Donc je pense que tous ces facteurs réunis, ça permettrait de mieux comprendre l'intérêt de ces outils-là et de mieux faire passer le message que si vous voulez optimiser globalement votre hôpital, il faut non seulement regarder l'ensemble de ces facteurs pour pouvoir y arriver. Super. Merci beaucoup Vincent Augusto pour cet éclairage et puis cet appel à manifestation d'intérêt. Merci pour cette intervention. Merci à vous. Voilà, de retour en plateau et en visio avec Sandra Berthezen, que j'ai le plaisir de réaccueillir pour cette conclusion de troisième séquence. Là, on l'a vu, on était vraiment dans le projet de jumeau numérique, mais qui s'applique à un système humain, à de la vraie activité, hospitalière d'un service. On a parlé de parcours, on a parlé de patients. Du coup, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette, maintenant qu'on a effleuré, qu'on a vu le sujet dans différents contextes, ce jumeau numérique, quand on s'intéresse à ce système humain qu'est l'hôpital, ses patients, ses médecins, ses paramédicaux, comment vous en voyez les apports potentiels? Je pense qu'on en a déjà senti quelques-uns, mais aussi pourquoi pas les limites et les encore difficultés à traiter.
Alors, c'est un vaste sujet et on se rend compte qu'avec tous les exemples qui ont été donnés, finalement, que ce soit dans le cadre des processus, des services de soins, comme dans le cadre des médicaments ou des organes, le jumeau numérique permet de toute façon de réduire les gaspillages. Hein, quels que soient les gaspillages de ressources dont on parle, il permet de gagner du temps, de mieux gérer des lits et au bout du compte, d'améliorer la qualité des soins. Hein, ça paraît évident pour tout ce qui concerne ces applications en santé. Mais ces apports ne sont en réalité que la partie visible de l'iceberg. On les perçoit parce que finalement, le jumeau numérique permet en interne une gestion des risques, hein, mais une gestion tout court, un management, une organisation de l'action collective pertinente pour agir immédiatement et à plus long terme grâce aux tests de scénarios, comme ça a été très bien expliqué tout au long de ces interventions. Alors évidemment, il y a des limites. Hein. L'une des premières, c'est celle de la transformation des métiers à l'hôpital. C'est un vaste sujet, il faudrait une webconférence uniquement sur ce sujet. Donc vous imaginez les transformations qu'il faut en termes de compétences à l'intérieur des hôpitaux pour tous les corps de métier de ce point de vue-là. Une autre limite est technique, bien sûr. Hein. On l'a dit à plusieurs reprises, il faut des capteurs, des objets connectés efficaces, des systèmes d'information pertinents. Et au sein de l'hôpital, le compte n'y est pas. En tout cas, il n'y est pas de manière équivalente pour tous les établissements de notre pays. Et il y a une autre limite, la plus importante, me semble-t-il, qui est d'un point de vue organisationnel, c'est qu'il ne faudrait pas penser que les jumeaux numériques permettent une bonne appréhension de l'incertitude. Je m'explique. On parle de l'incertitude énormément depuis la pandémie. Alors, les risques, contrairement à l'incertitude, correspondent à un futur probable, identifié, quantifiable. Et on l'a bien vu avec l'exemple de Gilles Larose. Hein. On va bien sûr essayer de mieux comprendre l'inconnu, mais connu. Hein. Risque de rupture de stock ou même risque iatrogène, on va pouvoir quantifier, compter. Le risque de gaspillage d'énergie ou autre, voilà, ça peut être limité, supprimé grâce au management. Alors, on a le ministère de la Santé, des Solidarités et de la Santé a diffusé en 2019, très peu de temps en fait avant la pandémie, une version mise à jour du guide de gestion des tensions et des crises. Et sur le volet qui concerne la gestion des épidémies, le guide invite par exemple hein, les établissements à identifier le nombre de lits en surveillance continue, en réanimation, etc., etc. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que pour limiter, éviter la saturation, un jumeau numérique reflète les ressources disponibles à l'instant T hein, pour alerter l'établissement sur les points de rupture des capacités d'accompagnement, de prise en soin des patients et lui permettre de prendre des décisions éclairées tout au long hein, de la pandémie. Il pourrait aussi, on peut l'imaginer, être un outil vraiment précieux de prospective en permettant un regard, je pense, à beaucoup plus précis sur les ruptures à venir sur une période donnée hein, en fonction des scénarios. On pourrait même imaginer qu'à l'échelle d'un groupement hospitalier de territoire en GHT, le jumeau puisse refléter les variations des ressources mobilisées hein, pour faciliter la mutualisation des personnels et des moyens matériels à l'échelle d'un territoire, et on pourrait imaginer les transferts des patients vers d'autres établissements publics, privés, d'autres établissements sanitaires ou médicaux, sociaux d'ailleurs, et même à l'extérieur du GHT. Bref, le jumeau numérique, c'est un outil de la gestion opérationnelle, mais aussi stratégique des crises, mais une fois de plus, on part ici de gestion des risques et pas d'appréhension de l'incertitude. L'incertitude, c'est très différent, ça correspond à une situation tout à fait inconnue. Les perspectives d'évolution sont impossibles à prévoir. C'est très différent du risque, parce que le risque, autant on peut le quantifier, autant l'incertitude, on ne peut pas l'identifier de manière précise, on ne peut pas la probabiliser, on ne peut pas la quantifier de manière certaine, un petit peu comme la pandémie que nous vivons. Hein, est-ce qu'on va avoir un nouveau variant et à quelle date, et il va toucher quel territoire en premier et avec telle intensité. Vous voyez, on a beau connaître les phénomènes des épidémies, tout ce qui va nous arriver par la suite, on a beaucoup de mal à l'identifier. Donc, à la... Oui. Pardon ? Oui, je voulais dire, cette distinction que vous faites, elle est très intéressante. Maîtrise des risques d'un côté, puis cette notion d'incertitude qu'il est plus difficile à appréhender, compte tenu de cette dichotomie, en tout cas de ces deux aspects, est-ce qu'on est quand même capable de... Comment on peut faire mieux, du coup, sur cette notion d'incertitude tout en travaillant sur les risques? Et on a bien compris dans votre intervention que le jumeau numérique
était un allié, là, maintenant tout de suite, j'allais dire, sur la notion de risque, mais peut-être plus difficilement activable sur cette notion d'incertitude. Alors, non seulement plus difficile à activer sur cette notion d'incertitude, mais beaucoup plus difficile à activer sur le principe même d'un hôpital dans son ensemble. C'est-à-dire que autant la pandémie est un phénomène complexe en soi, on l'a vu, mais l'hôpital aussi. Hein, l'hôpital est le théâtre d'interactions multiples et lui-même, il est compris dans un système encore plus vaste qui est celui de la santé. Vous avez des patients, une population, vous avez des agences régionales de santé, vous avez des organismes de formation, etc. Donc, c'est impossible de modéliser tout cela. C'est beaucoup trop important, c'est beaucoup trop large. Il est impossible de prévoir toutes les évolutions de chacun des éléments de tous ces systèmes. Donc, on n'y arrivera pas. Hein ? De cette manière, on n'y arrivera pas. Alors, si vous me demandez comment est-ce qu'on peut essayer de combiner les deux, appréhension du risque et de l'incertitude, idéalement, il faudrait se doter de jumeaux numériques, de simulations in silico, hein, et les combiner à des simulations in situ. C'est-à-dire qu'à la modélisation virtuelle, il serait intéressant de combiner des simulations en réel. Hein. D'ailleurs, le ministère, avec le guide dont j'ai parlé tout à l'heure, invite à ces tests, à ces entraînements. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a été assez peu médiatisé. En 2019, il y a eu, dans le cadre du test d'un attentat fictif, hein, qui consistait justement à cet entraînement in vivo, in situ plutôt, et on a testé dans ce cadre-là pour la première fois le fameux TGV médicalisé. Et c'est ce qui a permis quelques mois plus tard de l'utiliser en réel, en faisant coopérer le SAMU de Paris et les hôpitaux pour opérer le transfert des premiers malades du Covid. Bref, autant que vous avez d'un côté le jumeau numérique qui cherche à expliquer le fonctionnement du réel en reproduisant le plus fidèlement possible, hein, la réalité, c'est le miroir de la réalité. Et autant la simulation in situ, ce n'est pas du tout ça. Elle sert à rendre intelligible le réel observé grâce à la manière dont les professionnels impliqués dans la simulation vont le comprendre. Finalement, c'est une carte. Hein. Autant le jumeau est un miroir, autant la simulation en réel, dans la vie réelle, c'est une carte, une cartographie qui va simplifier une facette du réel étudié et qui est complètement dépendante de celui qui l'étudie. Ce type de simulation n'a pas du tout vocation à prévoir une situation, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le cas du jumeau. Hein. Donc, les deux approches ne s'opposent pas, bien sûr. Elles vont se compléter, mais à condition que simulation in situ et in silico agissent toutes les deux comme des leviers en faveur d'une construction commune des connaissances, partagées, actionnables, valables, pouvant être mises en œuvre immédiatement par les professionnels. Et Gilles Larose l'a bien expliqué, en fait. Hein. C'est là le principal enjeu. L'enjeu, il réside dans la capacité à avoir une pratique réflexive, propice à la co-construction d'une meilleure gestion des risques, en l'occurrence, une meilleure appréhension de l'incertitude. Parce que si tous les médecins, les paramédicaux, les administratifs, les personnels techniques, quel que soit le niveau hiérarchique, cadre, personnel, dirigeant, ne se mettent pas autour de la table pour travailler ensemble la construction de ces outils, eh bien cela ne fonctionnera pas. On prendra le risque d'avoir un miroir ébréché et une carte erronée avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Et c'est là le plus gros enjeu. Très bien. Merci beaucoup Sandra pour cet éclairage et cette mise en perspective. Moi je retiens bien du coup le jumeau numérique, c'est un pied et vous avez levé le voile sur un deuxième pied à développer avec justement pour ces fameuses simulations in situ pour venir compléter la chose, très intéressant. Du coup cet échange vient clore cette troisième séquence où on a donné des pistes et j'espère envie de lancer un projet de jumeau numérique. On l'a vu, hein, là on était plus sur une modélisation de l'activité humaine. Si on a retrouvé, je pense, des choses similaires avec les premiers cas qui s'appliquaient à du bâtiment ou à des systèmes industriels, avec des similitudes et des choses à aller chercher, on a fait émerger une autre dimension, une autre complexité, avec notamment ces principes d'incertitude et de prédictibilité limitée quand on parle de l'humain. Encore une fois aussi, on a noté que ce qui permettait d'avancer, c'est la richesse du regard et du travail à plusieurs points de vue. Ont été cités les médecins, les chercheurs, les ingénieurs, les décideurs. Et je pense que ça reste un fil rouge pour ce type de sujet.
Avant de clore cette vidéo, cette conférence, je voudrais passer et donner la parole à Tim Brinon, directeur associé de la NAP. Et peut-être pour la boucle est bouclée, on a introduit avec la NAP tout à l'heure avec Stéphane Pardoux. Peut-être, Tim, nous dire finalement, une fois qu'on a ouvert tout ça, ça donne envie d'y aller, mais la NAP finalement, quel va être son rôle, quel va être son accompagnement sur ce type de sujet ? Oh, merci Paul, merci à tous nos intervenants pour cette discussion absolument passionnante sur ce thème émergent. Moi en tout cas, j'en ressors assez convaincu qu'on tient là un sujet d'avenir pour nos établissements. Le jumeau numérique, moi j'en suis convaincu, peut nous aider à améliorer nos établissements dans leur adaptation aux besoins des patients qui sont en constante évolution. On parle de l'immobilier, on a parlé de chaîne logistique, on parle flux patient, on parle transition énergétique, on parle organisation de nos ressources humaines. On couvre tout le cycle de vie d'un hôpital, de sa conception à son fonctionnement quotidien, à ses évolutions ultérieures. Donc vraiment un sujet passionnant et un sujet qui, à mon avis, ouvre aussi une perspective plus managériale. C'est-à-dire que cette exploitation de la donnée, elle va favoriser la créativité au sein de nos équipes. Elle va leur donner des outils pour tester des nouvelles idées avant de les mettre en œuvre. Et là, c'est aussi une évolution alors qui, certes, sera lente, parce qu'on a vu aussi que ça prenait du temps et qu'il y avait des prérequis à remplir. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant pour l'avenir. J'espère que vous partagez cette conviction. Je m'adresse là à nos auditeurs nombreux aujourd'hui. Si c'est le cas, venez nous en parler. Examinons ensemble ce qu'on peut faire sur cette thématique et comment la NAP peut vous accompagner. Et puis, restez connectés à la NAP parce que nous allons explorer, défricher d'autres sujets du même acabit dans les temps à venir. Merci beaucoup, Tim. Il est temps de terminer cette session, cette webconférence intitulée « Un jumeau numérique pour mon hôpital ». Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Merci encore une fois à tous les intervenants et participants, qu'on ait enregistré avant, qu'ils étaient là en vidéo ou sur le plateau. Vous pouvez, comme Tim vous a fait l'appel, réagir ou poser vos questions ou proposer des démarches de projet, tout simplement en vous connectant sur le site de la NAP, www.anap.fr, juste après cette conférence. Et bah, moi aussi, j'espère que tout ça vous a inspiré et que au moins votre curiosité a été éveillée. Et pourquoi pas, bientôt, des projets et des réflexions vont émerger dans vos établissements. Voilà, je vous dis au revoir à tous.